Je fais une dernière tentative, les filles. Venez me dire si mon son est bon. Je suis vraiment désolée du petit contretemps. Des fois, avec l'ordinateur, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Il prenait pas bien le micro. Donc, je vais demander à Martine. Martine, viens me voir. Viens entendre, s'il te plaît, Martine. Sinon, ben écoutez les filles, je vais juste ajuster mes choses puis je vais vous revenir ce soir. Mais je pense que là, c'est bon. Je pense que j'ai vraiment fait le bon setting. Je ne comprenais pas pourquoi, mais là, je pense que c'est tout bon. Alors, aujourd'hui, je vais commencer, puis si c'est pas bon, ben, j'arrêterai simplement. Aujourd'hui, je veux te parler de rides profondes. Ça m'a un peu déconcerté tout ça. C'est pas grave, on continue, on va dans l'action. Moi, quand j'ai commencé à utiliser les soins Mary Kay, ah, merci, Martine, elle me dit oui que c'est bon, yay, on l'a eu! je comprenais pas pourquoi, tout était fermé pourtant. Mais bon, allons-y. Alors, quand j'ai commencé, merci Martine, merci beaucoup. Quand j'ai commencé à utiliser les soins Mary Kay, moi, personnellement, je faisais rien avant. Donc, c'est sûr qu'arriver à 35 ans et de ne pas avoir pris soin de sa peau, ça a laissé, j'avais déjà des petites ridules qui étaient là déjà, puisque ma peau avait subi un manque d'hydratation, parce que j'en prenais pas soin déjà. Et évidemment, là, toutes les attaques extérieures qui sont 80% des signes de vieillissement prématuré, c'était déjà là sur ma peau. Alors, j'ai des rides plus profondes qui me dérangent. Moi, personnellement, c'est la petite ride ici, la petite ride du sourire et le petit pli d'amertume ici, plus bas. Donc, moi, personnellement, c'est des petites choses qui commencent au milieu de la quarantaine à me déranger. Et je veux pas non plus aller en institut de beauté et faire des injections pour ces choses-là. Je préfère être naturelle. Donc, c'est de ça que je veux jaser aujourd'hui, les rides, rides profondes. Où elles apparaissent. Donc, il y a six lieux où elles apparaissent. Alors, je m'excuse pour le contretemps, mais je t'invite à partager la vidéo si ça te parle, si tu penses que tu peux aider une amie, une sœur, une collègue qui a la même préoccupation que celle que j'avais. Et ben écoute, fais-moi un petit cœur en arrivant. Merci beaucoup, Martine, de t'avoir joint à moi pour m'aider avec le côté technique. C'est vraiment très apprécié. Donc, si tu penses que justement ça peut aider quelqu'un, ben je t'invite à partager la vidéo et à me faire un petit cœur quand tu arrives. Alors, je te laisse te brancher, venir avec moi. Je sais que je suis en retard sur notre moment rose de la journée, mais bref, on va faire avec. On va faire avec. On s'habitue, on se. Hein? On va de l'avant. Je me présente entre-temps. Je suis Nancy Sainte-Marie. Je suis experte en beauté rose. Alors, moi, j'aime faire grandir et redécouvrir la beauté naturelle des femmes autour de moi. Comment je fais ça? Ben, c'est grâce à mon approche personnalisée. Donc, si tu n'as pas encore réservé ton moment rose, c'est le temps, les filles, pour le temps des fêtes. Alors, ton moment rose en privé avec moi ou avec une ou deux copines en virtuel, ça va me faire plaisir de t'aider justement avec ta routine personnalisée et avec des cosmétiques Mary Kay qui sont des cosmétiques qui sont cotés en dermocosmétologie, bien, je suis certaine de pouvoir faire la différence pour toi aussi. Donc, rides profondes, il y a six endroits, les filles, où les rides profondes apparaissent en premier.
C'est la au niveau du front. OK? C'est sûr que tout ce qui est toutes les ridules qui sont sollicitées par les mouvements faciaux, bien, avec les années, comme la peau perd du collagène puis de l'acide hyaluronique, bien, c'est sûr que ça va devenir des rides plus profondes. C'est sûr que si tu étais comme moi au départ puis que tu prenais pas soin de ta peau, bien, la déshydratation va faire en sorte que ta peau va s'amincir et que les rides vont creuser plus profondément, plus rapidement aussi. Et tout ce qui est environnement, si tu es une fille qui sort à l'extérieur beaucoup, bien, c'est important de protéger ta peau toujours, toujours, de un, contre la déshydratation, mais aussi du soleil, hein, parce que les rayons UVA, UVB sont vraiment une cause de vieillissement prématuré au point de vue des rides ridules. On exfolie aussi sa peau, ça permet d'oxygéner sa peau, hein, ça permet à sa peau de prendre plus d'hydratant aussi, de le conserver plus longtemps. Donc, c'est tous des facteurs qui viennent jouer au point de vue des rides ridules et ultérieurement des rides profondes. Donc, au point de vue des zones, on a au niveau du front que ça apparaît, hein, parce que les mouvements faciaux, on a les petites pattes de doigts aussi. Donc, on a aussi, comme je disais, la ride du sourire, et je ne veux pas m'empêcher de rire. On a le pli d'amertume qui descend les rides ici. On a les petites ridules autour des lèvres, donc les petites rides droites aussi. Donc, les plis plus verticales au niveau de la lèvre, on le voit apparaître surtout au niveau de la lèvre supérieure. Alors, c'est sûr qu'en institut, ce qu'ils nous proposent, c'est vraiment d'y aller avec une injection pour combler le manque d'acide hyaluronique qu'il y a dans la ridule. Et c'est pour ça que, justement, la peau s'est affaissée et qui a fait une ride plus profonde. Et là, je viens d'échapper mon produit. Je t'ai dit qu'aujourd'hui, hein? Oui! Donc, moi, ce que j'utilise, c'est mon combleur de rides profondes. OK? Je vais l'utiliser matin et soir parce que dans mon combleur de rides profondes, oui, quand je vais venir l'appliquer, je vais voir que ma ride va s'atténuer dès la première application, mais ça va soigner aussi à long terme ma ride. Donc, c'est une application qui est locale. OK? Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien mon embout. Donc, je vais venir l'appliquer localement. Je vais venir l'appliquer localement après avoir nettoyé mon visage comme il faut. Après avoir bien nourri ma peau avec mon sérum, je vais venir l'appliquer en quelques points. OK? Qu'est-ce que ça contient? Bien, vraiment, là-dedans, il y a de l'acide hyaluronique. Donc, c'est une formule qui est perfectionnée, qui contient du rétinol, de l'acide hyaluronique encapsulé. Et ça renferme aussi des électroplasmes flexibles. Donc, c'est des fibres microscopiques spéciales qui ont un effet qui vont venir combler la ride et ça va être flexible. Donc, c'est ça qu'on veut. Hein? C'est exactement la même chose qu'un... Ça contient exactement les mêmes ingrédients qu'une injection, sauf qu'on va venir le mettre à la surface de la peau, OK? Au lieu de le mettre par injection en dessous. Donc, ça va venir soigner et combler la ride de la même façon. Donc, on l'utilise matin et soir, après son nettoyant, après son sérum, mais toujours avant son hydratant. On peut l'utiliser, les filles, vraiment partout sur le visage parce qu'il est approuvé au point de vue des tests dermatologiques, au point de vue des tests au niveau du contour des yeux
pour nos pattes d'oie. Donc, il n'y a pas de problème. Il est hypoallergène. Il est transparent. Donc, on ne le voit pas non plus. OK? Donc, c'est vraiment d'y aller de cette façon-là. Après notre sérum, on va venir l'appliquer, combler dans la ride localement. Qu'est-ce qu'on va venir faire après? C'est qu'on va venir le tapoter et il va disparaître. Totalement, il va disparaître. Ensuite, on va pouvoir venir mettre notre hydratant et faire notre maquillage normalement. Il va tenir toute la journée et on va pouvoir en remettre aussi le soir pour aider notre peau avec la fonction de la régénération, parce qu'on sait maintenant que le soir, quand on fait dodo, notre peau se régénère. Donc, c'est important d'avoir à ce moment-là l'acide hyaluronique qui est contenu dans notre combleur ride. Vous savez, Mary Kay a pensé à tout. On sait que parfois, c'est peut-être des petites zones qui nous... commence à nous déranger un petit peu plus, nous personnellement. Donc, c'est d'y aller de cette façon-là. Moi, personnellement, je l'utilise justement au point de vue de ma ride du sourire, parce que je ne veux pas m'arrêter de sourire. La vie, elle passe trop vite. On ne veut pas arrêter de sourire et avoir du plaisir. Au point de vue aussi du front, hein? La ride du lion, qu'on peut venir combler aussi avec le comble ride. C'est sûr qu'en vieillissant, la peau devient plus mince et produit moins de collagène. Donc, c'est un petit surplus qu'on peut s'offrir pour le temps des fêtes, pour être resplendissante. Donc, un beau petit produit qu'on a développé chez Mary Kay. Honnêtement, toutes mes clientes l'adorent, mais moi, c'est mon produit préféré. Alors, c'est celui que j'utilise ici, là, au point de vue de ma petite ride. Ça m'a tellement... Je pense que j'ai été un petit peu désorientée par mes petits problèmes techniques. J'espère que je vous ai communiqué tout ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à me poser des questions dans le chat. Je te remercie encore, ma belle Martine, pour m'avoir indiqué que ça fonctionnait pas bien, parce que le son, c'est quand même assez important, hein? On va se le dire. Mais oui, en fait, c'est... Ride profonde, ben il s'écaille pas. Il ne s'écaille pas, il s'agglutine pas. Il est transparent, les filles. Vous allez voir que ça fait vraiment un bel effet. En fait, je parierais que vous ne saviez même pas que j'utilisais ce produit-là. Je veux juste être certaine de vous avoir tout transmis à ce sujet-là. Donc, je vous invite à partager la vidéo si vous pensez que ça peut aider une amie, une collègue, une sœur qui, comme moi, éprouvait un petit malaise ou un... Bon, des fois, c'est juste que c'est nous. Hein, on se sent comme un petit peu plus vieille ou bref, on veut être à notre meilleur. Puis on veut se reconnaître. Je pense que c'est ça le mot, c'est qu'on veut vraiment se reconnaître à travers la glace, à travers le miroir. Donc, c'est un petit produit qui va aider à venir soigner la ride, puis qui va la combler. Donc, il y a un effet sur le coup, puis il y a un effet à long terme aussi. Donc, c'est fantastique pour ça. Là-dessus, je te dis merci beaucoup d'avoir été là. La semaine prochaine, j'ai le goût de faire quelque chose d'un petit peu plus long avec toi. On va faire un maquillage de soirée. On va commencer à pratiquer ça. Maquillage de soirée pour le temps des fêtes. Je vais essayer de te rendre ça. Ben, je vais essayer. On va faire ça assez simple. Assez simple pour le maquillage de soirée la semaine prochaine. Et je t'invite aussi
à me suivre sur Nancy Sainte-Marie, experte en beauté rose. Si t'as pas réservé ton moment rose avant Noël, je pense que c'est le temps de communiquer avec moi. Là-dessus, je t'embrasse. Je te dis à la semaine prochaine. Merci les filles de votre aide au point de vue technique. Bye bye!